Mwen espere tout moun an form, mwen espere nou e ekran mwen an. Si nou e ekran nan, pi je sou e ekran nan fèm si. Ok, parfait. Donc, je di a nou pou ale surtout rentre, pale de kestyon ki liye avèk koze grafik. Pratikman mwen mse yon introduksyon ma fè sou nou pou li, me ap gen lot moun ki plus utiliser graphique yo, ou bien ça veut dire carré chat yo, ou bien analyse technique, puis cap vraiment déployer des stratégies ensemble avec nous. À soya, m'a pral couvrir quelques éléments de base là-dedans, et puis au fur et à mesure, dans l'ensemble science, n'a bien yo, n'a capable, ouais, plus éléments essentiels de graphique yo, et qui gens que nous avons mis indicateurs yo à disposition nous, dans pour nous capable mieux gérer trade ou bien position que nous prenons. Donc, normalement, dans le plan ça, moi, il y a un élément extrêmement important que moi, je voulais mettre l'accent sur lui. Lit pas dans le sujet à soya, mais par contre, le fait que nous, tout qui là, nous avons fait s'acquérir les crypto-monnaies, nous avons utilisé plateforme d'échange, nous avons utilisé wallet électronique, tant que Trust Wallet, MetaMask, nous avons utilisé Coinbase, Crypto.com comme wallet. Tout wallet sa yo, tout e sa yo li gen rapport avèk sekurite ki plus ale nan seans e jesyon de risk la, men m pa ka manki yon okasyon pou m kapab mette nou e an gad pa apò a fason ka proteje akant nou, paske si yon gro problem liye nan aktivite kripto, nan aktivite kripto a. Donk ma fon pase sou li rapidman. Answit nou pa ale nan tout de suite dans sa créer l'analyse fondamentale avec l'analyse technique. Parce que sujet topic, sujet nous même c'est analyse technique ou bien graphique, mais qui dit graphique dit analyse de prix, et analyse de prix, les dit c'est garder qui gens et prix à tes performer dans 5 dernières heures, là, dans 5 derniers jours, et m'a garder qui gens me penser la performer dans jour qui après. Donc, nous parlons juste une différence rapide entre deux, ça pour nous. Et puis, nous pouvons laisser regarder qui j'en ai présenté ou définir un graphique de prix, qui ça que lié. Et puis, qui j'en ai établi presque éléments et qui n'a graphique là. Particulièrement, on a commencé avec San Carlé. Donc, quand on a parlé de candle, candle, bien bougie, chandelier. Donc, tout ça, c'est même bagaille là. C'est façon que a pris à représenter dans un intervalle de temps. Ensuite, il y a un élément qui est extrêmement important que les traders utilisent en pile pour capable et suivre causer prix, c'est TradingView. Il est vrai que toute plateforme yo gagne incorporé là-dedans ou du moins majorité yo que m'utilisez déjà à Binance, Ascendex ou bien Elbank que nous très familier avec lui, yo gagne TradingView incorporé dans yo. Mais TradingView, il y a un website, il y a une application que vous pouvez utiliser et pour compte par où et pour faire graphique. L'avantage par comparé à une plateforme d'échange, c'est que vous pouvez capable sauvegarder et analyser ce que vous faites. Et puis, nous pouvons regarder qui je n'ai pas paramétré. Pendant que vous avez TradingView, nous pouvons essayer de faire une démarche pour créer un account sur lui. Et puis, nous pouvons faire tout qui ont qu'à paramétrer 4 là. C'est-à-dire, soit changer couleur, yo, si vous ajouter quelques indicateurs sur lui, même quand nous ne pouvons pas rentrer dans la question indicateur, mais au moins, nous faisons exploration de TradingView là pour nous voir que qui s'allie, si on a parlé d'analyse technique devant nous et on a parlé de TradingView, pour nous voir de cela parler et nous-mêmes tout pour nous mettre, pour nous utiliser à profit nous dans le cadre et trade que nous gagnons pour nous faire. Ensuite, nous pouvons ouvrir à la question générale, si vous n'avez pas clair, ou bien si vous avez une question, on t'a amené plus d'explications. Donc, sur ce, je pense que nous sommes capables vraiment de démarrer avec ces séances-là. Donc, globalement, qui ça nous attend après ces séances-là, fin clôturée, c'est que nous, chaque monde qui est là, nous avons regardé un graphe de prix et nous avons fait lecture là-dedans. C'est dit qu'a dit. Nous avons une idée de ça qui dit la donne. On ne peut pas attendre que nous puissions faire prédiction de ça qui pral passé, mais au moins nous avons ça qui est passé, à une cabouette qui est capable d'interpréter. Ensuite, chaque monde qui l'a, tu es capable, après séance-là, capable de créer un compte sur TradingView, capable de
ajuster et capable paramétrer dans le sens que vous voulez là en termes de couleur, vous capable chercher un indicateur que on dit qui est intéressant ou bien que vous voulez utiliser, vous connaissez qui j'ai pu capable chercher les souliers. En fait, nous capable paramétrer TradingView à souhait. Donc c'est si que nous arrivons à faire ça après séance infinie, nous capable dire c'est une réussite pour présentation à souhait. Et j'aime te dire dans le commencement, mais pas voulu, mais chaque mais à chaque fois rappeler de l'importance sécurité dans la crypto-monnaie. Même gens que yo ka liquider nous dans nos positions futures, li gen l'autre façon nous perdre du cob là, li gen l'autre façon mon ka perdre du cob et qui pi mal toujours que liquidation. L'autre façon ça qui lié à sécurité compte. Et premier ça m'a montré là, li relé dosting attack. Particulièrement dans son attaque par Fatra. J'aime qu'à garder sous image là, nous bien là, c'est que ça, c'est un account. Nous, chaque qui là, c'est un e-wallet, nous allons aller sur le site web ça, app board finance, et puis nous allons mettre e-wallet nous sous lit, par connecter nous, adresse nous, et nous allons dire nous qui token nous gagne en dans lit. Mais par contre, ça qui vient arriver, gen des scammers ça au fait yo prend plaisir voyer des tokens pièges pour yo les DOS tokens. C'est des tokens qui pas gain valeur intrinsèque vraiment, mais apparemment soit laisser vendre ou après le bon prix. Et les constats dès qu'on a laissé vendre, c'est un coup où tout passé et scammer là et sécurité ou plus capable rentrer sous account. Il est vrai faut qu'on ait échangé soit et site freeze avec lui. Mais dès que vous interagissez avec token ça yo, donc vous token ça xres.org, ça c'est à 40 moins, mais pas de jamais acheter. Et mais pas de jamais connaître que vous avez un airdrop cap fait officiellement et que vous bénéficiez de token. Non, pas de ça du tout. Li juste, vous voulez soit à 40 moins, dès que vous interagissez avec lui, vous êtes capable de pirater à 40 moins. Donc, dans le cas ça, nous pas qu'à empêcher ou voyez DOS token sur account. À ce que nous connaissons pour l'instant, pas qu'à empêcher ça. Mais, là que nous remarquons un token sur wallet, nous, là, me dit wallet, m'a parlé de e-wallet, MetaMask, Trust Wallet, par exemple. Dès que c'est pas nous qui t'ai acheté, li, et nous pas connaissons, c'est airdrop, yo buy nous, qui ont le token, yo buy nous, par rapport au token que nous gagnons, pas à essayer de vendre du tout. Dès que nous essayons de vendre, nous exposer toute wallet là pour cap pirater. Donc c'est extrêmement important. Donc veillez attention à ça. Dès que nous achetons un token, nous well sur wallet nous pas mal. Tout en pas mal, y a pas qu'à faire wallet là en y. Y a pas qu'à pirater. Mais dès qu'on interagit avec ma smart contract ça pour essayer de vendre ou bien pour transférer de l'autre côté, laisse ça ou vin à grand risque et pour cap exploiter et account. Donc, juste pour que et nous tous conscients de ça et que nous faisons très attention à problème ça qui gagne. L'autre élément qui gagne encore, qui est un sécurité sécurisé à 40 nous, là plus aller dans le cadre compte que nous appliquons sur plateforme. Pour l'instant, nous, cas pour gagner vraiment pile comme soit à 40 nous, côté que nous représentons une cible pour hacker. Mais par contre, le fait que nous avons grandi. Et dis-nous, et en dimension, soit bien anglais, soit bien anglais, ça arrive, monsieur, tu sois là. Et Et... Junior, n'a pas une Oui. question après. Quitte la question quoi après? Bonne consigne avec ça. Ok, ça va. D'accord, merci. Donc, deuxième élément qui j'aime qu'à gérer ça pour tu sois là, c'est pas interagir avec smart contract. Nous mettons ouais, yo cap vaut 1 000, 10 000, 3 000, 20 000 dollars pour qu'il paye. C'est juste que cap pirater. Moi, quand on a fait recherche, nous voyons que c'est parce que vous avez, par exemple, Ethereum, et puis vous avez bought token ça parce que vous avez fait un airdrop. Laisse ça officiellement tout va prendre. Mais dès que vous avez fait ça, pas garder. Ensuite, l'autre façon pour nous capter sécurité account nous, pas seulement quitter account nous avec mot de passe. C'est-à-dire que vous rentrez email ou vous mettez mot de passe sous et pour rentrer là-dedans. Non, il faut mettre au moins une deuxième couche de sécurité. Deuxième couche de sécurité, ça, li capable qui s'allie, li capable yon SMS,
que yo voye ba ou ki authentifié que c'est ou cap connecté sur account là, ou bien gen application que gen deux que moi m'ai utilisé, gen qui les Duo mobile et puis gen Google Authenticator. Donc yo même qui ça ou fait yo les que ou connecté sur account là, il parle mando et si c'est Google Authenticator, il y a 6 chiffres qui génèrent presque chaque 5 à 15 secondes, pas chronométré, et il génère de façon et par hasard, qui fait que c'est difficile si que le téléphone pour monde pirater à 40. Donc, tant qu'on a exemple ça, par exemple, moi-même presque mettez 3 couches. 1, si qu'on transaction, si ma fond retrait sur account, qu'on a sur Binance, la demande 3 couches de sécurité. La demande pour me vérifier téléphone moi, la demande pour me vérifier email moi et puis la demande pour me bail code et Google Authenticator là. Pour qui ça? C'est vrai les m'a fait des fois forme rapide me faire pour me gagner temps passé parce que code yo pas dur, yo pas valide pour un peu le temps, mais tout au moins ça réduit risque pour que si par hasard, email m'a pas sur mon bon côté pour mon 40 sous Binance account moins pour le cap faire retrait bien pour le cap pirater. Donc juste pour capable conscient de problème pas juste en conscient de problème non de niveau de sécurité à ajouter en l'autre sécurité en plus de password non sur account non que les login n'a pas rentré sur account là que les nous besoin font retrait en cob ou bien en token de un account non en autre account et la bon pour nous en pile. L'autre élément encore qui est extrêmement important, c'est point 1, c'est par exemple, il arrivait des fois, mon yo dit que, et y aurait l'eau ou bien y texte tout temps pour cette chose sur la théorie, et puis y dit, y aurait un petit problème, puis y aurait fixé, il faut voyer si de fraiseau. Non. N'importe monde qui contacte nous, personnellement, au nom de l'institution, au nom de un problème quelconque. L'imandène si de fraise nous, nous mettons tout remercier. Parce que pas un monde qui peut résoudre un problème pour sous wallet tout pour utiliser si de fraise ça. Et d'un coup, son monde ou juste signé un chèque en blanc Bali et pour dire al dévaliser banque à 40. Dès que vous avez un si de fraise sous, et d'un coup, vous avez à 40 là. Parce qu'au final, c'est si de fraise là qui a 40 là. Et n'importe qui, j'ai dit, ou bien là qu'on y a, comme si le réseau là fonctionne avec, mais automatiquement, l'autre monde gagne, il a juste recréé la wallet là, et puis il retire tout token qui sous lui, sans qu'on parle de coin. L'oué ou au blanc, je dis ça qui passe, c'est parce que tu transmets seed phrase non à un monde quelconque. Juste, les gens qui ont de sécurité encore qui ont causé problème, c'est juste ça, yo, comme nous avons géré nous-mêmes plus facile, pensez à eux. Renforcer la sécurité à quand nous, les NAP login, et surtout les pour nous faire retrait. Pas partager cette phrase nous avec un ken monde. Et puis l'engon token nous partage qui soit quand nous pas interagir avec lui. Jusqu'ici là, il pas déranger nous c'est commencer à passer venir.com là, laisser n'a exposé à 40. Dans l'autre séance, malgré l'autre élément que n'a besoin pour nous capter tête nous parce que ça aussi important que gestion de risque parce que nous cap fin faire un cob et puis après 2 ans 3 ans nous perdu pour un bagage que nous t'ai pas évité mais j'espère ça t'est utile. OK, donc sujet et poisson ouais, même des pas de sécurité c'était surtout garder aspect et graphique mais pour analyser aspect graphique avant de sujet ça, il est important pour nous parler ça qui est l'analyse fondamentale et qui différencie entre lié avec l'analyse technique. L'analyse fondamentale, particulièrement qui j'en ai présenté, c'est parce que c'est là que, par exemple, nous pouvons investir nos compagnies et puis nous commander le plan d'affaires ou bien nous commander tout élément qui balie valeur en tant que tel. C'est dit et c'est à partir de qui travaille l'affaire, qui produit les gains. Qui équipe li gen derrière li, qui est-ce qui directeur li, combien de temps li gen sous marché à la faire, qui expertise li gen là-dedans, est-ce que problème la résoudre là, son problème qui est réel, et combien de temps problème ça a besoin pour résoudre, et ça pral déterminer qui valuation future, compagnie ça, ou du moins projet ça. Donc tout ça yo, yon investisseur toujours besoin qu'on ait,
les soins investisseurs, bien entendu, que le gain information préalable ça yo avant que li choisi mette et cobli soit dans compagnie ça ou bien dans projet ça ou bien dans crypto monnaie ça. Donc tout ça dans terme il y a un plus bel terme qui a utilisé pour exprimer ça, mais généralement, une analyse fondamentale, Jean-Nandia, c'est garder tout ça qui en dedans compagnie qui rend solide et qui fait que la vaut plus valeur dans le futur. Mais par contre, c'est même barre là qui fait dans crypto-monnaie tout, le monde dit OK, qui fondamental crypto ça. Donc, il peut dire, les que vous faites révision ça avant que vous choisissez notre projet, surtout les nouvelles sous Telegram, vous posez des projets de long terme. Projets de long terme, yo, généralement ou essentiellement, vous basez sur fondamental projet crypto. Ça veut dire qui ça? C'est actuellement qui market cap. C'est-à-dire, est-ce que les gens ont 10 millions, 15 millions, 100 millions, 1 billion? Parce que si les gens ont 6 libas, et puis, les gains ont utilité qui ont, ça a fait que les passés de 100 millions à 200 millions à 300, de 100 millions à 200 millions à 1 billion, tout ça a fait que à chaque fois les passés de 100 à 200 millions, il va le faire 2x. Les passés à 3, à 4, tout ça va augmenter et valeur. Donc, on peut regarder ça, on peut regarder par exemple, qui quantité token qui est en circulation. Est-ce que tout token est dehors déjà? Qui est mes token qui n'a même équipe de développement projet ça? Pour qu'on connaisse, est-ce que Mounsao pas centralisé token dans n'importe le, ou pas lagué token dans ce marché avec écrasé projet à nan même? Ça rentre dans le cadre analyse fondamentale. Ou cap garder tout, est-ce que son projet qui gagne activité cap fait sous lui? Ce qui veut dire, est-ce que li gagne achat et vente? Est-ce que gagne pile trade sous lui? Et trade yo caractérisé par volume d'échange qui gagne dans journée, dans les dernières 24 heures, dans les dernières 48 heures. Pour moi, combien de cob qui circulent en dedans ça? Les gon token qui, nous avons dit qui chaud, bien qui gon belle attraction pour public là ou gain chance gain en pile achat et vente qu'a fait sous lui et ça son bel indicateur en tant qu'investisseur les fondamentaux qui dit ça son projet qui risqué gain en pile l'avenir que quand investir comme moi m'espérer dans 2 ans 3 ans 5 ans si besoin retirer comme ça l'app capable et multiplier ou cap garder un élément qui crée très critique là-dedans et généralement son élément qui intéresse moi pile moi-même c'est qui utilisation lundi utilisation c'est qui problème projet ça a résoudre en tant que tel c'est-à-dire que nous connaissons que un projet de sécurité sous blockchain là nous connaissons qui important ça gain parce que en pile go hack en plus go piratage à tête donc toujours la grande groupe plateforme que yo pirater en pile token perdu près de plus que centaines de millions de dollars perdus sur cette plateforme-là, à jouer un individu ou bien un groupe d'individus qui, ou bien de pirates qui fait travail là. Ce qui veut dire, un projet de crypto-monnaie qui a investi dans la sécurité de blockchain pour identifier les transactions qui sont frauduleuses, donc c'est un cas d'utilisation qui est d'extrême importance qui dit que si projet ça li délivré li risque gain en pile adoption dans travail y a fait donc son bail qui très important donc après ça nous connaît lossless LLS qui y a fait travail ça donc qui un projet qui t'a à gros potentiel si nous garder utilisation ça Ethereum pas besoin parler Ethereum nous connaît Ethereum c'est presque c'est maman ou bien papa DeFi. Donc parce que tout projet qu'a construit sous lui toute application qui a construit sous lui tout cob qui lock en dans Ethereum fait que l'y représenter en cas d'utilisation et ça nous est que l'y presque transmettre à tri token après Ethereum par exemple. Ce qui veut dire en tant qu'investisseur, si ma pensée à Ethereum pour long terme, c'est-à-dire que m'obliger à garder est-ce que travail Ethereum à faire, est-ce que la Kakimbil, est-ce que l'y représente un travail qui réel, est-ce un problème qui la besoin de problème qui est réel et qui chance les gains pour le rester leader dans la branche client. Donc, regardez les fondateurs. Les fondateurs sont extrêmement importants. Est-ce que ce n'est pas un monde qui était gâté pour le projet? C'est un monde qui était gaspillé, qui niveau formation, qui niveau enthousiasme dans le projet. Donc, tout élément ça, et ensemble de problèmes
pour projet à confronter, par exemple, qui a un problème de scalabilité, et dit qu'il n'y a pas qu'à étendre le projet à son grande échelle, pour que j'ai qu'à trop centraliser. Donc, tout ça, c'est des blocages qui fait que le projet n'est pas viable sur le long terme. Donc, encore, et puis, feuille de route projet ça, donc c'est dit, sur de qu'on y a à 4 mois, 8 mois, 12 mois, qui ça, yo a travaillé sous lit pour capoter ou bien pour un cadre atteindre résultat que au besoin et les résultats atteindre à résoudre problème. Par exemple, il y a des projets qui problème qui gros, c'est morceau par morceau que va résoudre. Soit résoudre par morceau, donc les grands timelines, les grands feuilles de route. Donc éléments ça yo tout rentré sous chapeau ça qui relève analyse fondamentale là. Et déjà, tout projet qui est de long terme, yo doit passer sous grille élément ça yo pour être capable qu'on ait aucun projet ça me calcule pour 5 ans et puis m'a fait comme la donne sans problème. Mais par contre, qui pourrait porter un autre aspect qu'on y a là qui est différent de analyse technique. Donc, les investisseurs presque utilisent analyse fondamentale. Par contre, les mondes capturés Dieu utilisent analyse technique. Analyse technique là, qui s'allie généralement lui-même, il fait une grosse assumption. Il fait une assumption que ensemble fondamental, il doit sortir ou bien il doit capturer, il doit exprimer par prix token. C'est-à-dire pas besoin lui-même à prendre temps non. Analyse fondamentale, il seulement garder qui opportunité qui gagne rapidement par rapport à variation prix qui gagne sur ma chair. Parce que lui-même, ça le fait, l'acheter à la seconde, lui revendre la seconde ou bien à la minute. Donc maintenant qu'on y a là, pour être capable de prendre une décision, ça, le fait que le pack à baser sous et analyse fondamentale là encore, parce que si on va à la seconde que l'a fait sous ma chair, donc il peut l'utiliser en l'autre support ou bien il peut l'utiliser en l'autre élément pour être capable de prendre une décision ça. Et décision et élément ça qui s'allie, c'est pratiquement ces graphiques des prix. Et que nous avons regardé que nous avons qui toujours, pas comme si sur le groupe Telegram, mais qui postait chat avec des lignes sous lit, avec des montées, des descentes, des tracés, des triangles, tout ça, des flèches, c'est que qui ça? Ou garder chat ou non, une minute, 2 minutes, non, une minute, 5 minutes, ou bien une heure de temps, 15 minutes, dépendant de qui, intervalle de temps, ou garder chat là. Et pour dire, si Priya te fait ça, non, 20 minutes, 15 minutes, il risque de faire ça qu'on y a. Et ça fait qu'on y a là, sous bazar, ou qu'on a proposition, ou qu'on a dit, pour qu'on n'a pas continué à monter, map longli ou bien la continuer descendre. Et ça fait nous dit que yon analyse et technique les identifier opportunité yo pendant que la analyser statistique qui gagne la tendance des prix. C'est ça le fait. Et il pas besoin garder tout fondamental yo et lui même lui dit que lui fait assumption que tout fondamental yo prend en compte dans prix. Donc il pas besoin dans fondamental yo encore. Donc au final ça le fait, il peut utiliser chat yo pour cap faire qui ça, pour cap garder, pour cap identifier des patterns ou bien des modèles qui cap exprimer tendance pria, c'est-à-dire côté pria pour aller, est-ce que la pour aller sans passe la fluctuer légèrement ou bien est-ce que la monter ou bien est-ce que la descendre. C'est parce que qui ça l'a fait, c'est analyser prix passé yo comparé à actuel là et essayer dégager ou bien essayer anticiper sur prix futur là pour lui-même il cap prend ça comme une opportunité pour le placer en trade ou bien ouvrir en position et capable profiter de lui. Donc lui à l'opposé de l'investisseur qui a regardé toute grosseur trajectoire utilité lui pas bien tout bail ça lui-même il pas regarder sur des indicateurs techniques que une carré des et essentiellement gen nou ki utilize si tan rele en anglais simple moving average ou bien exponential moving average ou bien stratégie support et résistance ou bien ligne de tendance, c'est-à-dire que li ka gade nan 5 jours li ka gade est-ce que prix ça c'est monte la montée est-ce que c'est descend la descend. M pa sûr que m pral rive nan fait indicateur ça et fait trending lines ensemble avec nous ou bien
et Bomet indique toi avec nous, mais par contre, nous allons montrer qui gens que nous capables ajouter sur un cas. Donc, pour nous capables, avant de passer à slide ça, je voulais faire un résumé pour nous, pour nous comprendre extrêmement très bien qui différencie l'analyse fondamentale, qui presque a vraiment investi sur là, avec comparé à l'analyse technique, qui presque lié surtout avec trader là. Donc, l'analyse fondamentale là, il va regarder qui valeur intrinsèque projet a, ou bien crypto a. Il va regarder des éléments critiques là-dedans qui valent en valeur. Donc, sous ça, il va prendre des décisions pour connaître l'app acheter et l'app kembel pour un certain nombre de temps ou même sur le long terme. Mais par contre, yon trader, il va focus surtout sur l'analyse technique. Lui-même, ça le fait, lui juste garder, ça le fait, lui garder prix, tendance prix et token nan, non central de temps tout coûte, et puis garder qui j'en, li capable anticiper sous qui j'en prix après le changer, et anticipation ça, li capable rentrer dans position pour profiter de l'opportunité pour capable faire l'argent. Donc c'est presque deux approches qui différentes, mais au final, l'on mette ensemble, yon voué à un même résultat qui c'est fait comme. On trade fait comme achat à non court terme, on veut essayer de faire comme à long terme. Mais l'objectif final là qui s'allie, c'est permettre ou augmenter chance pour capable faire portfolio grandir ou bien en mot simple, faire comme. Donc, m'espère ça clair pour nous entre deux termes ça. Et donc, reste séance là, il va dérouler sous analyse technique. Donc, l'analyse technique là, il y a un élément essentiel qui fait lit, c'est ça, c'est le graphique des prix. Donc, qui ça graphique des prix a c'est presque, et bon, nous te fait, donc, nous te commencé avec sa troisième seconde, mon qui t'a songé question F2X particulièrement. Donc, sauf que F2X ou bien Y égale F2X, li tout partout. Que l'on veut ou non, donc il va le tourner là encore, sauf que nous pas bien seulement x, non seulement f de x là, nous avons bien f de x1, x2, x3, xn ou by y. Donc y c'est prix a, ok, à travers le temps, mais prix ça a l'a changé en fonction d'une bonne variable. Par exemple, on nouvelle qu'a servi en variable pour faire prix a changer. On bonne nouvelle qui a fait monter, on mauvaise nouvelle qui a fait descendre. Par exemple, la Chine dit, ou bien États-Unis dit, il n'y a pas cause de Bitcoin encore. Elon Musk dit, il n'y a pas acheté Bitcoin, il pas recevoir Bitcoin pour cela encore. Prix a descendu automatiquement. Donc, ceci rentre tant que c'est un indicateur ou bien une variable dans la variation, variation de prix. Ou du moins tout, on institution dit l'a adopté Shiba comme moyen de paiement par exemple automatiquement on va commencer ouais marché pressé dans Shiba ou du moins tout on gros compagnie dit l'a servi avec Ethereum pour yon bail quelque ou bien pour Polygon par exemple ta que Polygon go marché pressé la prend là parce qu'il gain un contrat ou bien association l'a fait avec Sandbox pour qu'il travaille dans ça avec NFL donc ça il reflété dans prix token là automatiquement. Ceci pour dire que graphe de prix a li capturé ça ou ça fait trader a li pas chercher trop bien. Li capable checker information ça autant que nous-mêmes nous avons besoin de nouvelles là pour nous capable connaître dans journée ou bien dans semaine là qui token n'a trade parce que là et Matic représente un token qui très tradable. Pour ça parce qu'il y a une bonne nouvelle de retenance à la hausse. Mais par contre trader a lui-même li pral focus sur chat là. C'est ça, graphique des prix à balle là. Et un graphique des prix qui s'allie, je dis, c'est parce que c'est une représentation qui représente en fonction de volume là et un intervalle de temps donné que nous allons regarder ensemble. Ou qu'on regarder un graphique sous une minute, sous 5 minutes, sous 15 minutes, sous une heure temps, 4 temps, une journée ou même un mois. Parce que dépendant de qui point d'entre vous besoin dans le graphique là? Li pral dépend dans qui time frame. On dit normalement trader qui a rentré pour meilleur rentrer dans la position, li pral garder sur une minute. Mais on moun qui sont investisseurs qui gardent le long terme, ou qui gardent dans une journée.
On va le montrer, nous connaissons nous en l'air, on va le montrer, nous grave comment que l'y représenter. Donc, et l'autre élément qui est important dans le graphique des prix, à part l'y montre au prix, l'y montre dans qui intervalle de temps prix ça y est, l'y montre tout à travers ça que nous relais des bougies. Ou bien nous attendons par de candlestick ou bien Japanese candlestick. Qui c'est salié, c'est un élément qui à chaque instant ou bien à chaque intervalle de temps donné, li montre et il montre comment priorité valide. OK? Donc en gros, on graphique li simple et c'est en représentation, on graphique de prix, son représentation qui gagne tout élément ça la donne et qui permet que nous capables ou bien un trader capable d'identifier des opportunités dépendant de tendance qui gagne dedans. Pour tendance là, ça va faire question objet dans l'autre séance que qui est capable d'identifier des tendances ou bien ça capable des patterns et qui est capable et identifier yo et prendre décision sur yo. Pour l'instant, nous plus ça fait une anatomie de graphique là mais nous poko dans cadre de stratégie. Donc ceci là, nous pouvons regarder à qui ça en quelque sorte yon graphique de prix semblé comme nous tenons en pile et élément de Mkadi et parler en pile, mais pratiquement mais qui sont graphiques et semblé. Ça c'est un graphique Bitcoin et si nous regarder, on va continuer si nous souria. Il y a un élément qui est important dans graphique là, c'est parce que même j'aime te montrer nous dans futur là. C'est toujours un graphique de futur, mais maintenant nous cap garder élément qui est dans yo, nous cap garder en haut à gauche, c'est qui token que nous avons gardé. Et là nous avons gardé c'est un token de Bitcoin. Les cap ban nous prix actuel là, disons prix à l'instant T ou bien dans seconde que nous avons gardé là, ça a changé et en pile. Premier bail nous pas garder c'est time. Parce que j'en tape dit noir, yon graphique de prix li caractérisé par un intervalle de temps dans le passé. Et c'est élément passé ça, suivant passé a, non pas laisser prédit ça qui ka fait, non pas dit ça pral fait, parce que yon action passée li capable répéter, mais pas obligé. Donc, et ou cap garder graph là sous plusieurs et intervalles de temps. Là, son graph de 5 minutes. Ça veut dire chaque bougie nous est sous lit, li représente variation de prix à dans intervalle de 5 minutes là. C'est-à-dire que marché a ouvert ou bien train a passé, minute là commencé, li prend 5 minutes et puis li forme bougie ça. Dans le next slide là, nous pas regarder qui compose une bougie à, même te veut font ti résumé en global pour nous un. Nous cap définir ça aisément. Donc, tu me fais un autre aspect. OK, let's go to be more practical. Donc, pour essayer pratique, et dans le cas ça, nous cap garder et chat Bitcoin particulièrement là. Donc, c'est même chat là que nous cap garder là, avec plus d'explications, plus d'éléments. Là, nous cap définir time frame là. Donc là, l'édition 4, c'est sur chaque bougie, le fait que one day, un day, c'est un jour. Donc, chaque bougie, ça représente fluctuation ou bien changement dans le prix dans un jour. Vous pouvez mettre sur 4 temps et après, les changer différemment. À chaque prix, à chaque intervalle que vous mettez, le prix à tout, forme a changé. Forme générale, l'arrêté même, mais vous avez bien information plus détail. Donc, quand on mette sous une note tantôt, donc nous gardons des informations qui étaient masquées. À chaque fois, intervalle de temps pipiti, donc il y a plus d'informations qui déposées devant genoux pour nous capables de faire analyse que nous avons fait. Ceci, lundi, ça représente une note temps, ou bien en cas de ça, 15 minutes par exemple. Ça veut dire, il veut dire que l'air que dans 15 minutes, Pria te commencé ici, c'est un point qui ferme. Il te commencé là. Pria a monté bien haut jusqu'à pire au prix que l'y prend. Dans le cas de bougie rouge là, Pria te commencé là.
li monte jusqu'à niveau sa noue côté pour qu'il puisse clair. OK, tant que je t'ai gardé bougie là, ça représente 15 minutes. Donc dans ensemble 15 minutes là, prière commencer ici à là, OK? Dans niveau ça. L'arrivé dans intervalle là, il ca faire avant ou après, l'arrivé jusqu'à prix maximum dans là. Et puis là le fermer plus bas que là le fermer ici à. Si n'a gardé grain bougie ça là. Donc ça ça veut dire li ban nous li communique chaque grain bougie communique une information ça. Et puis tendance graph là tout dit nous mais qui Jean pria a varié dans 15 minutes. Yo. Donc ça représente ces tendances ensemble graph là, ensemble prix Bitcoin là sous un graph de 15 minutes. Donc l'idée de qui ça c'est que ça buy trader a yon chance ou bien information pour qu'a dit si que Bitcoin de fait tel mouvement, donc on pense que dans next 15 minutes là à travers candle ça, on pense qu'il ca monter plus haut, il ca monter jusque là, il est capable monter ou il est capable descendre, ça dépend de information que nous lit dans graphe là. Là qu'on a le fait que nous ouais à qui ça en graphique représenté, il pas gain en ken magie là-dedans. C'est au fur et à mesure que nous avons pratiqué li, nous avons gardé li, nous avons compris sa livre dit, nous avons compris qui gens que nous-mêmes nous avons utilisé pour en propre faveur. Pour l'instant, nous avons un modérateur qui a fait travail ça pour aider nous à avancer avec lui. Mais un jour, c'est nous-mêmes qui allons faire propre analyse technique nous et dire, OK, je dis à m'apprends Bitcoin ou bien m'apprends Mana, m'apprends n'importe token non. Je regarde graphement et puis je me dis, OK, je définis le prix d'entrée. Je pense que le prix arrive là, je définis le prix de sortie moins, ou bien tes profits moins, ou bien je mets le stop loss moins au niveau pour me capable. Et si le token a allé dans la direction opposée comme je pense, pour me capable et sauver comme moi. Donc, en résumé, c'est comme ça on grave de prix présenté. Dans le next slide, là, nous allons regarder Bougia avant que nous rentrions dans TradingView pour nous faire une pratique plus ou moins avancer de ça qui chat là. Jusqu'à présent, m'espérez nous tout le monde là ensemble avec moi. Pour next slide là, nous allons aller dans. Next chat là, je pense que je m'anticipe sur un graphique de prix présenté. C'est qui ça qui a bougé? Yo le bougie c'est probablement ces formes gain probablement tous les points naissance dans zone ça parce que moi en plus là il faut que le bougie L5 qui encore tout on dirait que c'est même et tendance mais bon pour histoire là nous qu'a fait histoire recherche par nous en aller dans ça que nous est intéressé à lui à soir ça crivé c'est que ensemble chat nous ça regarder là li composé d'ensemble éléments qui les bougies ou bien chandelier ou bien en anglais candlestick ou bien japonais candlestick qui ça le fait j'aime dire non li représenter yon information sous variation pria nan yon intervalle nan intervalle de temps donc façon que lié lien deux aspects li ka prend en termes de couleur si que les que bougie ça li fermé plus bas que l'elle l'ouvria, c'est-à-dire les 15 minutes là pour commencer. Par exemple, ou un token qui l'ouvrit et dit les 15 minutes là pour commencer, li 10 dollars. OK? Li passé 10.5, 12, 13 dollars. Ensuite, les 15 minutes là fini, li a fermé à 8 dollars. Dans cas ça, c'est que 8 dollars plus bas que 10 dollars que l'était l'ouvria. Dans cas ça, nous dit que ou gain temps impression ou gain information qu'on prend c'est que dans 15 minutes ça prix token là descend parce que l'était l'ouvri à 10 dollars les 15 minutes là commencé, il monte jusqu'à 13 dollars qui ba nous ça carré les pieds ou bien que bougie dans en roi, il monte jusqu'à 13 dollars. Mais par contre, les 15 minutes là fini,
prix bougie li à 9 dollars. Ce qui veut dire bougie li fermé à 1 dollar en moins que l'air li te louvri. Dans ka sa prix li te louvri a pi wo que prix fermé. Donc ou vin gon bougie qui rouge, ce qui bon on information que prix token nan li diminué dans intervalle de temps ça. OK? Donc nan à l'opposé de ça, si que bougie a été louvri à 9 dollars, c'est prix il était commencé à. Ensuite dans 15 minutes ça, prix a monté même genre à 13 dollars, 13 dollars 5, li descend à 8.5 dollars. Ensuite là il ferme à 10 dollars. Donc li ouvri à 9 dollars, li fait toute démagogie, li rive à 13 dollars, li redescend à 8.5, mais au final les 15 minutes la fini, bien 20 minutes la fini, li ferme à 10 dollars, c'est-à-dire que bougie ça ou bien tendance prix ça li augmenté. Pour qui ça? Parce que li ferme en prix qui supérieur à prix que li te louvria. Et ça fait après que gen des bougies qui rouge par défaut, il y a des bougies qui vert par défaut, c'est seulement ça que nous, c'est que l'aile rouge, ça veut dire que le prix a descendu, l'aile vert, ça veut dire que le prix a monté, et pour qui ça? L'aile rouge, parce que le prix li fermé un, plus bas que le prix li te l'ouvria dans l'intervalle de temps à étudier là. Et à l'inverse, le prix li fermé un, plus haut que le prix li te l'ouvria dans l'intervalle de temps que vous avez analysé là, ou dit que bougia a ou di prix token n'a monté et gen en pile information, gen en pile et type de bougie qu'on y a, parce que prix l'ouvre prix fermé en seyon couleur à seyon, mais par exemple en bougie ka prend différentes formes. J'ai dit li ka gon long queue par en bas, li ka gon long queue par en haut, bien bougie a col ka plein, chaque sa yo di ou yon information que ou capable d'utiliser. Pour l'instant, c'est pas ça l'aime d'information qui va aider former stratégie ou dans cadre trading. Parce que à chaque fois que bougie a prend forme, c'est que moun kap acheter yo, ça ne déca dit c'est bougie ak moun kap vann yo que nous attendons des bears et du market la bullish ou bien bullish yon bagay, du market la bearish, le bullish c'est que qui tend à se monter, li bear qui tend à descendre, c'est que moun deux groupes moun sa yo à chaque fois y a boule yo mon capable acheter yo pousser pour y a monter mon capable vendre yo b pousser le descendre. Donc duel ça a fait formation ça qui est le candle yo. Donc et forme candle yo qu'on a extrêmement important dans décision qui capte et la forme sur en position ça, parce que gon on reverse gon changement inverse qu'a fait dans market là doit sortir, ou bien changement inverse à tout, si je ne suis pas en position, je me dis, je suis en fait là, avec la forme bougie, ça qui est formée, je vais rentrer parce que je suis en train d'anticiper sous tendance là. Donc, pour nous faire une image arrière tout petit, avec l'image ça, je pense que ça va ben nous une meilleure représentation graphique de bougie qui s'allie et l'air que la montée, la descente. Dans la première bougie, nous avons le bougie baissière, qu'on est français en tigeant fantaisiste, et comme nous toutes formés en langue française, nous connaissons ça même gens que moi. Donc, ça nous a gardé là, automatiquement, nous gagnons un bougie qui rouge, en nous gardant formé d'abord. Nous gardons que les gens sont carrés, ils ont le mesh, bien carrés, le queue, n'importe où bien weak, n'importe où nous bas là. Le plus important, c'est que si nous regardons, c'est extrémité ça, c'est plus haut point que prix a dérivé. En fonction qui était intervalle là, dans n'importe quel intervalle, nous regardons là, point monté ça, c'est plus haut point que prix token est monté. Le prix en bas, nous avons dit, c'est plus bas prix token est dérivé. En passant, si nous avons une question, nous connaissons une question, notez-le, nous ne pouvons pas répondre toutes. Mettez-le sous chat là, et puis si nous ne pouvons pas répondre à tout, nous avons un Telegram pour nous capable de répondre à tout. Merci. J'espère que ça va déranger trop de monde. Donc,
Ça, c'est extrêmement important tout pour nous garder qui pire au prix token nous prend, qui pire bas pour arriver. Mais l'autre élément qui va caractériser le token, nan, si le token est rouge, ça veut dire que les prix ont commencé par ici, côté de marqué ouverture là. Les prix dans l'intervalle de temps, les temps a fini, le token est prix a baissé. Nous regardons sans flèche là, qui fait que bouger ça rouge, il dit que market là ou bien prix a li à la baisse. Dans le cadre opposé à longueur que ça ou bien mais ça a arrêté même c'est pire au prix token nan, ou bien crypto monnaie a te prend net à le temps en bas que ça ou bien mèche inférieur ça c'est pi bas prix que te prend mais par contre token nan li te l'ouvri ici à côté nous qui marqué ouverture là l'elle te l'ouvri ici li ferme là ça veut dire que prix a augmenté l'intérêt là. Il est vrai que l'issoti là, il monte jusqu'ici, il redescend jusqu'en bas, mais l'aile a fini, il ferme en haut. Donc, il gon prix qui vient plus haut. Donc, si vous avez plusieurs bougies comme ça, vous exprimez que vous avez tendance à monter, vous avez prix token à monter. Donc, c'est aussi simple. Ce sont des grandes bougies, c'est information ça. Ces premières informations nous capons la donne en fonction de couleur. La nouvelle couleur rouge, je dis que prix li ferme à l'IA li pi bas que prix li l'ouvria. Et les li vert, ça veut dire prix li ferme à l'IA li supérieur à prix li te ouvri à l'IA. Donc, c'est comme ça, les gardons bougie, les gardons chat, nous capables d'interpréter l'information couleur rouge. Donc là, nous parlons d'un cadre qui est plus pratique et le fait que l'important pour nous capable en tant que trader ou bien futur monde qui n'a pas utilisé trading, que nous plus ou moins familiariser nous avec les questions de analyse technique, questions de graphique des prix et qui gens nous capables d'utiliser. Dans cas ça, nous pas utiliser comme support TradingView. Que presque majorité trader utilisé l'ion version qui gratis la donne nous penser pour l'instant qu'a bail nous information que nous besoin yo. Et puis l'ion version qui payant donc pour monde qui puis avancer qui a besoin faire de qui a utilisé besoin plus outils la donne mais pour l'instant partie qui gratis là tout le monde qui l'a capable utiliser lui et sans problème. Donc nous parlons là dans en gros nous parlons X créer un compte ensemble étape par étape. Nous cap regarder vidéo encore pour nous capable créer compte l'ancien ici nous perdu. Nous va regarder qui aime cap naviguer là dedans, qui composant qui là dedans ça que nous cap faire. Nous capable nous pas regarder paramétrage de graphique des prix par exemple si que nous besoin changer couleur rouge là mettons l'autre couleur qui moins fait nous peur. Par exemple, une couleur rouge, là, les rouge, c'est 100. Donc, l'effet au PC, c'est 20, 20, 20. Vert, c'est content, c'est acheter, acheter. Nous sommes ajuster avec des couleurs que nous voulons. Et nous allons faire ça ensemble pour nous faire ça qu'à faire. Et nous allons décider les couleurs que nous préférons. Ensuite, nous allons regarder et qui côté nous allons mettre indicateur. L'entendez, on a parlé de RSI, MACD, ou bien nous allons parler de moving average, simple moving average, exponential moving average, nous cap connaît qui côté nous cap ajouter élément ça sur trading view. Donc c'est ça qui parle next step là et mon parle sortir sous présentation parle directement en dedans trading view pour être capable faire et prochaine étape. Donc nous allons commencer par création de compte là. Si nous sommes avec moi, ça c'est web, c'est site web pour TradingView. L'enfin lancé sous site web là, mais qui j'en lis à présenter devant nous. Donc normalement, dès qu'à juste rentrer avec email moi, parce que j'ai un account tous les déjà, mais je vais commencer et à la base pour que chaque compte qui là nous capable et faire lit ensemble ou bien pour qu'après nous refaire lit pour contenu plus tard.
Donc, nous avons commencé. Et puis, nous avons starté là. Et nous avons un ensemble de prix là-dedans qui est disponible pour les gens qui sont intéressés. Nous avons fait marketing to the view, mais nous avons très utile à la communauté trader. Donc, si on a besoin d'un prix payant, pour qu'apprendre par année, les gains rabais sous lit, pro plus, premium, chaque gain avantageux et qui a combien d'indicateurs qu'a ajouté en plus, combien de chats pour qu'on ouvre dans seule window, dans seule fenêtre. Mais pour l'instant, version gratis là, il suffit pour nous pour qu'on a. Donc, nous parlons de la version gratis là toujours, nous pas prendre version et payant. Donc, nous parlons de faire sign up et nous avons. Nous avons Google Account 40 avec Google, sinon nous avons fait avec email. Nous avons fait avec Facebook, Twitter, tout ça. Mais nous avons fait avec un email de préférence pour que nous capables d'aller. Et puis, OK, nous avons fait avec email ça. OK. On fait email d'avec là, OK. I read. Oh, il va d'accord. Je vais aller sur le caractère. Ok, pas un problème. Ok. Traffic light. Bon, c'est ça, oui. Si moi, bien. Ok, donc, nous allons créer un 40 là. Pas autant. Ok. OK. Gen activation link. OK, on va vérifier email là pour capable. Donc, notre étape là, notre étape à créer et à 40 feeding view là. Mais espérez nous absolument avec moi. Là, je demande à vérifier à 40 là. Je vais activer lui. Boom. OK. OK, oui, nous en forme là, nous fin créer account là, nous établir sign up, utiliser email, nous vérifier email account là. Donc là, nous capable gain nous en dedans trading view là. Là en dedans trading view là, nous parle qui côté, comme ça nous besoin actuellement c'est chat. Et en anglais, nous parle dans chat. Et puis de là étant nous là nous gagnons un dans trading view là que nous pas besoin faire ça que pour nous faire. Donc normalement automatiquement li ban nous on stock li ban nous c'est idée c'est même li ban nous Apple c'est chaque nous connaissons ça qui Apple là. Donc Apple non stock exchange donc li gain prix variation de prix qu'a fait sous les tout dans journée. Donc de par là li gain est connecté avec trading view. TradingView est une plateforme qui peut collecter toute information de prix qui gagne sur toute plateforme d'échange et puis qui met pour trader capable de faire analyse. Donc là, nous retournons à même graphe que nous avons gardé ensemble pour nous capable de voir qui est ça. Nous pouvons paramétrer et naviguer dans TradingView, c'est extrêmement facile. C'est seulement l'hyperalement de nous pratique. Ici, l'en garde en l'air, nous gagnons San Carile. C'est une change de couleur, ça, couleur blanc.
Tiens, pas amené. Et bon, avant tout, nous avons utilisé la couleur blanc, par défaut, il y a un thème blanc. Donc, il fait trop, il fait sourire. Moi, je qui a fait un peu de temps sur le chat là, il manque intéressant. Donc, on peut presque utiliser le thème et foncé. Donc, pour nous changer le thème foncé, c'est nous parlons dans le menu. Et puis, de menu, nous parlons dans Dark Color Theme. Et puis, automatiquement, il y a ben un 4 qui pille, un fond qui pille sombre. Café, nous, si on fait plus temps des ordinateurs ou bien des quatre là pour nous capables de travailler sur lui. Donc, l'autre élément, on a besoin de garder en dedans, li, si nous avons gardé, il y a ben nous, non élément, on a besoin de garder. Ya. Donc, par exemple, si que nous avons besoin en dedans crypto ou bien nous avons besoin de matic, par exemple, automatiquement, ça, libam tout crypto, libam tout est. Quel stock, quel crypto, quel forex, tout combiné. Si nous avons un seul crypto, nous allons sur crypto, et puis nous allons sur crypto qu'on a, ou bien nous juste taper une besoin matique, polygone matique, nous allons taper matique, et puis matique à monter, nous allons choisir le prix sur qui net, qui sous plateforme besoin, donc nous allons prendre matique sur Binance qu'on a là. Nous qui avons fait matique, qui avons fait matique, nous et ça c'est graph qui gagne sous matic là. Donc premier élément nous cap à chercher, nous cap pour naviguer là-dedans, nous cap chercher l'autre token que nous besoin. Si nous besoin et Cardano par exemple qui c'est ADA, nous taper ADA dans search là et puis nous regarder prix qui disponible. Moi même généralement m'utiliser et prix qui buy by Binance, comme utiliser Binance, et son prix qui fiable et tout, donc on plus aimer utiliser en préférence personnelle, pas une explication technique pour lui, donc dès que c'est sous cela, c'est Binance, on plus et utiliser lui pour être capable de faire son affaire. Donc ça, c'est le premier aspect qui est simple, c'est capable de chercher qui token nous besoin. Si nous avons besoin de mana, par exemple, donc, nous sommes capables de chercher prix, mana, sous TradingView. Donc, aussi simple que cela. L'autre élément qui est important, nous sommes capables de navigation, c'est ça, nous avons intervalle de temps. Donc, dans le cas ça, nous avons regardé ici, c'est D, qui veut dire prix, ça, on m'a regardé là, non, mana, c'est prix qui est lié à un journée. Mais par contre, nous avons besoin de son petit intervalle qui c'est par exemple 1 seconde, 5 secondes, 15 secondes, 1 minute, 3 minutes. Nous avons choisi qui intervalle de temps m'apprend. Moi, j'ai utilisé 15 minutes là en pile. Donc, nous sommes capables de mettre sous intervalle de 15 minutes. Nous avons fait l'analyse que je fais. Il y a des gens qui ont plus de remède en minute, des gens qui ont de rapide. Donc, pour garder la tendance des prix sous 1 minute. Ensuite, si vous avez besoin, soit utiliser plus souvent, yo. Par exemple, si vous utilisez 1 minute souvent, vous pouvez cliquer sur la petite étoile là, vous pouvez ajouter sur favori. Si vous remettez 5 minutes là, vous pouvez ajouter. Vous ajoutez sur favori, il va tout automatiquement monter dans le bar menu, ça va garder là. Si vous remettez 15 minutes, vous mettez 15 minutes, donc vous pouvez mettre 15 minutes là. Aussitôt, vous mettez une heure de temps, vous pouvez mettre le sur. Jusque, laissez-moi l'ouvrir toute page la net, mais de là étant, nous pouvons naviguer sous l'intervalle de temps que nous avons besoin. L'intervalle de temps, l'important, c'est que ça a une variation de prix token, nan, de prix mana, dans une minute, mais qui j'en lié. Ce qui veut dire, si nous avons ça là, je ne sais pas dans la bougie. Donc, si c'est 9 minutes, ça veut dire dans deux dernières minutes, ça a pris mana, c'est descendre la descente. Dans la dernière minute, la bougie à rouge. Dans la minute actuelle, ça, il est rouge toujours parce que prix qu'on a, il est plus bas que plus de commencer. Il est vrai que comme la minute n'est pas encore fini, il n'est pas encore fermé. Mais s'il ferme plus bas, que plus de l'ouvrir à la bouche. Donc, regardez, là, il ferme rouge parce que prix a fermé plus bas. Que l'ITB ouvre. Automatiquement, ça dit nous, non, si nous avons un chat de 1 minute, primatique, c'est, on dirait, c'est descendre que l'app descend.
et nous ka gade un pi grand intervalle, ça c'est pour cap scalp. Un cap scalp besoin intervalle de temps qui pi petit possible pour qu'il ka prendre décision là dans seconde à la seconde. Donc nous cap gade dans 15 minutes. Dans 15 minutes, c'est pas même message là nous. Dans 15 minutes là, il est vrai que bougie a pas encore fermé, rester 13 minutes pour le café, mais donc bruit ça fait commencer. Donc ouais, prière libère. Maintenant 15 minutes qui étaient venus avant ça, nous est que Matic Bal ont tendance à la descente. Mais là, il est difficile pour capable prendre décision pour qu'on ait effectivement, parce que bougie précédente c'est vrai le tape monter, mais bougie précédente montre les gants on chemin inverse dans prière. Mais là qu'on y a là, objectif nous c'est pas ça garder dans ce mais c'est comprendre qui ça veut dire et comme information interprétation c'est on l'autre bagaille que lié. Bon, nous excusez, oui c'est de mana n'a pas on parle de matière. Bon mana merci. Donc nous ca garder dans prix dans intervalle de temps ça mana il mais qui gens li a payé. Il a fonctionné qu'on y a là et nous cap ajouter plus ces time frame que nous besoin 4 temps en journée pour cap garder dans journée qui gens tendance des prix ça li a fonctionné. Donc au monde qui pas prendre décision rapide d'un coup de trade scalp ou swing ou cap besoin utiliser un plus grand intervalle pour cap prendre décision cap garder tendance et token nan en haut. Malheureusement, token ça, trading du pas gain plus l'information sur lui, c'est de commencer à suivre lui probablement dans deux derniers mois ça. Parce que nous avons gardé seulement deux bougies gain, yon qui premier bougie a qui en novembre et bougie décembre. Comme décembre n'a pas encore fini, bougie ça pour qu'on ferme. Donc, pour l'autre token, si nous prenons Matic encore. Donc, Matic gain plus temps sur lui, c'est soit garder tendance primatique sous. On moi one month mais qui gens primatique changer sous et dans dernier mois qui sont passé de l'air que trading view commencer enregistrer prix li à konya. Donc ça dit si que ou sont monde qui a acheté pour long terme généralement on plus grand time frame bonne information que ou a chercher à puis importe puis bien que ou soit longtemps parce que ça arrivé ça qu'a fait dans 15 minutes là il qu'a fait dans 15 minutes là et puis dans un mois action complètement différent parce que type temps picout donc fluctuation li capturé li capable vraiment représenter information en un mois qui montre que soit tracé de un mois de mois ça jusqu'à qu'on y a ouais que son croissance parabolique qui fait dans token là. Tandis que sous garder nos 5 minutes ou pas gain même information d'ailleurs même graphe là limito dans observation que on va faire ça fait grand terme premier plus intéressé performance sous long terme plus intéressé investisseur mais performance dans intervalle court minute 5 minutes 15 minutes plus intéressé mon cap il de faire day trade c'est-à-dire capable dans journée à revendre automatiquement éventuellement monde qui a fond swing tout cap intéressé à intervalle ça. Donc l'autre élément qui gagne dans ça que nous ka garder nous ka changer forme bougie. Ça c'est forme typique bougie, c'est ça ne ka le Japanese candle stick yo, mais gagne différentes l'autre forme que nous ka qui capable utiliser dans le phase de chat. Mais fondamental là ou bien ça qui plus commun c'est candles qui c'est normalement et Japanese candlestick. Gen moun qui utilise Haikin Ashiya comme yon forme de candle tout li bay on ça pas dépend de qui soit à l'aise qui soit plus bien comprendre dans et tu dois faire ou dans recherche qui est soit utiliser mais pour l'instant on cap utiliser et sin gardel forme ni changer les mêmes les bons ont tendance qui pi général de tendance là tendance capture tendance là là sont l'autre détail mon cap dans l'autre séance n'a pas rentré sous lit mais juste nous cap connaît c'est pas seulement Japanese candlestick là qui gagne
li gen diferent lot candle, type de candle ki genyen et ki servi a diferent et strategi dépendant de trade a, dépendant son maîtrise. Bien kon ka di sa, son question d'école, dépendant de ki jan ou entraîné tetou. Donc ça dépend de ki candle ou app utilisé. Donc ma remettre sur Japanese candle stick là par défaut que et n'a pas utilisé. L'autre élément que dans navigation et que en vraiment un indicateur que j'ai ajouté indicateur sur carte là, nous pas regarder si que nous besoin si couleur rouge fait nous peur, qui j'ai nous capable changer couleur ça qui c'est ça va dire c'est donc c'est dit bien chez monde qui dans 5 minutes là un belle shot dans matique là là oui comme besoin thématique on tenir descendre toujours mon pontical bon bref et ça pour me garder dans ça c'est et nous capable changer couleur rouge là pour qui ça et parce que généralement quand on couleur rouge et puis rouge fait émotion j'aime t'a dit nous trade c'est pas gain émotion là dedans c'est automatiquement c'est au mieux qu'on ca retirer émotion c'est plus bon la permettre pour prendre décision pour qu'a profiter des opportunités parce que émotion a tendance et altérer jugement et rapidité pour qu'a rentrer et sortir dans une position ou bien pour qu'a prendre un trade. Donc dans cas ça c'est psychologiquement couleur rouge là capable affecto nous capable mettre l'autre couleur pour lui par exemple et deux couleurs que nous avons utilisées et que c'est bleu et jaune, les remplacer et vert là avec bleu et puis rouge là avec jaune. Donc maintenant là, on a dit qui jeune nous capable faire ça sur Dingyu. Li simple pour nous capable faire, li gen un bouton pas en bas qui sont là qu'on soleil qui relé bouton dans bouton settings là, les rentrer sous lit, nous capable li gen l'autre bagage que le cap fait. Mais pour ça que nous besoin qu'on y a, nous pas le descendre. OK, juste une seconde. Donc nous pas le descendre dans section pour capable et définir couleur tout token. Nous avons un gomme qui a écrit sur 4 mois. Sur 4 mois. OK. OK. On monte une question qu'a posé question toujours. Comment je cherche la Paweli? Yeah, mais moi me pose une petite question pendant on a fait ça là. OK, yes. Les wap trade, c'est parier wap parier, c'est ça? Oui, ou ka régler le constat s'il vous plaît. Qui sont là. Yeah, disons, on va parier contre l'autre monde qui a fait même bagarre ensemble avec. Elle dit, tant qu'on sous parie à la hausse, on va pas acheter, on est capable de parier à la baisse que on va vendre. Training, en question maintenant, training vous seulement sur laptop ou qu'à utiliser ou bien? Ou capable d'utiliser sur téléphone tout, les conversions téléphone et la donne. Mais il y a une application, c'est website là. Oui, les conversions. Même plus utiliser version et application. Ouais. Yeah. Pas contre une carte écran là. Noël. OK, donc même plus utiliser des versions et version application ça
Donc ça me tape du noir les plus et dit généralement même tout moi mais utiliser version et couleur bougie ça et pour une raison pour l'autre me pas qu'à identifier côté OK. Bon, dans cas ça next time ma con vidéo sur nous pour lui qui j'aime capable changer couleur pour raison pour l'autre et on pas qu'à identifier section côté qui permet moi faire ça dans setting. Bah c'est un bouger pour aller. Côté? Bah c'est un bouger pour aller puis à bout tu pas mettre là petit bouton capable couleur. OK. Yes. Thank you, yeah. Bon, l'autre aspect, ça encore, yeah. Ou quand vous faites double clic sur l'item, vous êtes dans la partie PAM, vous mettez l'autre partie à la préférence. Donc, nous sommes capables d'aller en guise de setting ça. Et nous sommes capables de faire double clic sur bougie. Là, nous, parce que même motion dans le chat, c'est ça. Pour raison, il est arrivé à monter directement, là, il n'est pas monté. Donc, là, symbole là, comme nous sommes dans la section ça, symbole là, tout monter, faire double clic sur bougie. Là, nous allons changer ni corps bougie, ni bord Julie, et ni mèche. Donc, comme nous avons vert qu'on a, nous allons mettre vert. Nous allons faire le genre sur settings par maintenant. N'a mettez vert là, n'a choisi bleu pour lui, tout est bordure, n'a mettez bleu tout, et puis tout mèche yo, n'a mettez bleu pour yo, et à l'opposé, n'a kor yo, n'a sac à descendre yo, n'a mettez jaune, donc automatiquement, ça capable, ça permet nous rechanger forme afin de changer couleur et bougie. Et là qu'on y a là peut-être probablement idéal c'est que psychologiquement changer couleur au café yon meilleure impression sur vous ou bien capable mieux manipuler ou si que à l'opposé ou t'as regardé où est pria à descendre et puis au courir pour pas le vendre ou bien pria monter en vert ou voulez et paniquer, courir, acheter. Ça peut dépendre de qui j'en va interpréter li, mais ça c'est un paramétrage que vous avez fait en dedans TradingViewer. L'autre élément que nous sommes capables de faire encore, c'est que nous avons gardé dans le chat, dans ça que nous avons là, nous avons des indicateurs qui soulignent, donc nous sommes capables d'ajouter des indicateurs sous quatre noms, c'est-à-dire sous graphique là. Qui j'en ai ajouté indicateur, nous pouvons aller pratiquement en dans F2X indicateur là, et puis nous pouvons aller chercher indicateur nous besoin utiliser là. Et il y a plusieurs indicateurs que nous pouvons utiliser. Nous avons un indicateur nous qu'on suit nous-mêmes en pile, c'est RSI. RSI, donc pour monter indicateur sous 4 là, vous pouvez cliquer en dans indicators, indicateur, et puis dans search là, comme pourquoi je me fais une recherche là, je n'ai pas gagné et non indicateur qui est disponible ici. Là. Mais par contre, nous sommes capables de taper, si nous avons besoin de RSI, nous sommes capables de taper RSI qui lui-même c'est Relative Strength Index. Relative Strength Index qui sal baou, li baou et nan intervalle là, c'est qui, comment pression sous acheter et vendre nan yon. Ça encore, étude indicateur, là fait partie de yon lot training, mais ça li dit nous, li définit entre deux intervalles 30 et 70. Pour nous faire coup de sal de dit, si nous RSI là a touché 70 et dépassé li, ça veut dire pria gen tendance pour le haut, c'est que moun yo a acheté l'ampile, yo dit que li overbought, c'est que yo acheté plus, il vient
pril yé nan instant li pi wo ke pril ta dwe et ça généralement kon bay yon indicateur pou pria descend tan kou sa ka gade la men sa pa nécessairement vrai parce que li ka dépasser 70 et intervalle ça et puis li rete la dan pou yon bon bout de temps donc il pa nécessairement vle di que parce que le dépasse là li pral redescend mais li au moins li bon information ça soit prend décision li edo prend décision et puis de même ou capable paramétrer li soit pour changer couleur li ou pour capable mettre un genre qui pi encore qui pi adapté pour vous les ou garder le sous quatre là pour que dans l'ensemble yo fait un tout qui cohérent dans sens ou. Bon ça cohérent pour moi capablement cohérent pour nous bref et mais nous-mêmes nous cap définir couleur n'a mettre là dedans et pour nous cap faire ça nous cap soit double cliquer sur lui même j'en t'ai fait pour l'autre là ou du moins tout nous cap aller dans bouton setting là qui a ban nous même et boîte de dialogue côté que n'a capable et changer couleur li. Et donc généralement nous pas changer du tout et longueur li parce que ça li a considéré que la baie tendance pri a sur 14 derniers bougies que ou a analysé a donc et la prend prix de fermeture là mais ça ne va pas toucher li nous pas garder dans style li donc nous cap garder couleur les bon couleur qui mot nous cap changer couleur là en blanc si nous voulez et puis tout si nous voulez nous cap faire bar là plus épais si nous dit li trop mince nous cap augmenter et épaisseur li thickness là nous mettons qui ont qui plus gros dépendant de ça nous peut juste mettre très très foncé généralement utiliser deuxième niveau d'épaisseur là et puis donc là me cas jouer avec couleur là sans problème pour me capable bal en couleur que voulez et qui matche avec soit dans ensemble global chat là ou bien couleur que moi-même pour bam information que me besoin. Et ça indicateur ça veut dire nous ca regarder nous pas regarder notre séance mais pour l'instant mais comment nous ca ajouter si li ca là nous fait le pas paraître nous ca sous petit bouton J ça nous masquer espace là toujours là mais li pas affiché sous quatre là si nous besoin réafficher nous ca recliquer sous li pour lui capable afficher si bien changer couleur li changer épaisseur changer background ni si même faire plus pâle tout ça on capable faire li et à travers menu ça soit menu un ou bien nous double cliquer sur lui donc il y a ben nous même résultat donc une grande indicateur nous cap ajouter sur un chat tout si n'a choix keyboard ça ne décarre les qui bon tendance de momentum qui bon et tendance pria tout qui c'est nous cap mettre ça créé mardi donc nous cap bien tous les trois fiches sur quatre nous quoi avec version gratuite là trading view a maintenant ajouter seulement et trois indicateurs à la fois sur quatre et le plus ou gain en gros version la peut ajouter plus indicateur en même temps et effectivement même genre nous gain ça nous cap changer nous garder ligne ça ou qui sous quatre là ou magdia li mince nous capable soit changer couleur là pas changer couleur comme mais nous cap changer et puis cela simuler pour nous cap faire puis apparent sous quatre là donc même genre nous cap aller dans ide nous ca aller soit dans setting là ou bien nous capable de cliquer sur lui ca bay nous pratiquement même résultat que n'a cherché là donc dans cas ça nous capable changer style là pour nous capable faire couleur plus foncé ou bien plus pour nous capable faire dimension plus beau donc nous capable faire plus épais même toujours avec un bon niveau de ya ensuite couleur mauve là qui signal là bleu assez magdi en soi et orange dans ce signal là nous cap augmenter et épaisseur li pour que les capi apparent sous chat là et même genre tout nous cap masquer li nous cap masquer yo
pour me faire apparaître, juste cliquer sous bouton bouton et tiger encore pour capable permettre et indicateur ça présenter. Un autre indicateur que nous aimons utiliser encore, ou même que moi même qui c'est et boolean jobin et que nous même au fur et à mesure nous même nous cap chercher plus d'informations sur qui ça veut dire qui j'ai fonctionné. En attendant que nous même nous fassions notre science pour nous et ligue en tonne de indicateurs. Donc nous capable gain boolean jobin qui c'est OK. Donc ouais, je tout dit que on pas ca gain plus que et go quand indicateur on pas ca gain avec free version là. Mais heureusement, nous connaissons que nous ca gain 3 indicateurs et sous lui. Et donc dans cas ça nous ca redéfinir formule pour nous capable pas by graph là plus espace pour nous capable analyser lui. Donc même genre tout et nous capable donc 3 indicateurs ça c'est des indicateurs clés que nous capable utiliser dans cadre trading. Nous voyons qui je nous ajoute. Nous et puis tout si nous besoin de retirer, nous juste cliquer sur petit croissant là, retirer indicateur pour nous. Si nous besoin de retirer et RSI là, nous cliquer sur petit croissant là, retirer pour nous. Si nous besoin de retirer boolean jobin maintenant, l'étoile ici en haut, bébé boolean jobin, nous capable fermer. Même genre tout si nous besoin augmenter pesoli ou bien changer variable et en dani nous capable toujours faire ça avec menu ou bien nous double cliquer sur lui pour nous capable changer et bleu donc nous capable changer et épaisseur pesoli pour nous capable et faire analyse nous puis bien nous capable confortable Jean Guilla donc pour permettre nous gérer lecture chat nous toujours nos cartes nos chat et matic ça ça veut dire boolean jobin ça c'est encore n'a bien avec session qui expliquait en quelque sorte et qui ça indicateur et qui gens nous capables utiliser pour bénéficier de importance et on l'autre élément qui par défaut dans chat là qui est intéressant, son question de volume. Et là encore, volume n'a pas défaut de sous-chat là, lui-même tout, ou capable de paramétrer lui, pour capable changer lui, si vous voulez mettre la même couleur avec chat là, vert là, ou transformer en bleu, et puis rouge là, ou transformer en jaune. L'idée de ça, lui-même, importance lui, encore, lui presque automatique, pas automatique, bien entendu, mais lui, bon, parce que comme en tant que trader, ça qui intéresse le market là, c'est une question de volume. Parce que c'est le volume qui fait prix, soit le monter, soit le descendre. Si pas de volume, prix a était plus ou moins stagné, moins que le volume est toujours là, mais bah, il accélère, mais c'est le volume là qui peut créer fluctuation. Et suivant le volume là, si vous avez un pile volume acheté, après prix a monté, si vous avez un pile volume jaune tout, descend, c'est-à-dire en pile monde à vendre. De toute façon, le volume est représenté en quantité de transactions qu'a fait sur lui. Et nous-mêmes, c'est ça qui est intéressant. Si je vois pas un volume là, le volume est faible, il n'est presque pas représenté en jour, ou du moins, ce n'est pas en jour. Parce que tout jour à bon, on peut gagner un volume sur lui, il n'est pas représenté en token que qui capture et très bien dans le journée. Parce que prière n'a pas changé trop. Et c'est un changement de prière qui fait que on trader fait comme. L'autre élément qui gagne dans le chat là encore en termes de navigation, je parle fait partie de analyse, c'est l'élément qui dans barre et nous avons dit dans outils, barre de menu, barre d'outils qui permet nous faire tracer. Si que nous besoin tracer en ligne horizontale, on trend line et l'autre barre qui est intéressant, nous cas afficher tout élément ça ou pas en haut quelque part dans le chat là. Tout ça, nous pensons à utiliser très souvent. Autant que trend line, si nous pensons à utiliser souvent, nous mettons dans le favori. Après, nous allons ajouter un petit menu ou un petit casier là pour que automatiquement accessible à nous les que nous besoin. Si nous besoin flèche là, nous allons mettre li. Nous besoin et en rayon, nous allons mettre li. Bon, dans le cas où je vais utiliser la ligne horizontale, là, par exemple,
cross line nan men men itilize li, channel parallèl men men itilize par exemple, men nou men nou ka defini ki es nou bezwen par rapport a, bon, nou pral prezante nou kantite ke nou plus itilize e ke la fanalize ke nou ka itilize ou tout, nou ka tout kre yon ti menu la pou yo, pou ke yo facilement accessible automatikman ke nou bezwen yo. Donc et ensuite nous content d'y parler de résistance ak support si nous besoin en triangle en rectangle pour capable tracer li donc nous capable utiliser ça rectangle ça par exemple donc pour utiliser li n'a pas de utilisation après et chaque outil ça yo pour faire un tracé wap yo disponible à nous pour capable faire des schémas en dans graphique là qui servit des repères pour nous. Par ça arrivé les graphiques là blanche et les graphiques là blanche comme ça, li pa ka chaque fois m'pral chercher un support parce que m'ka tout tracer support là. Par exemple, si m'dit m'définir ça, c'est un support. Si me dit ça, c'est un support que m'a veillé ma tic pour cachot li la donne par exemple. Donc, on pas besoin à chaque fois pour se mal replacer, mon ca tout tracer sous quatre longues fois et m'a veillé que l'aile franchit, j'aime souhaiter à s'il franchit, c'est que grand pile chance pour continuer descendre toujours pour connaître si m'a shot li. Parce que tout support pour franchir, il est pour franchir vers le bas. La douce franchir quoi, li gete dans une résistance, c'est dit prière gete dans descendre plus bas. La prochaine fois, li ka vin tourner en résistance pour prière. Donc qui bail qui capable bail suivant analyse antérieure fait, yon belle position pour shot nan point ça parce que tendance là dit que li risque continuer et descendre. Donc c'est ça que fait outils ça yo, nous capable utiliser à bon escient pour mettre des repères. Nous cap utiliser même en pile tout des fois pas utiliser rectangle pour mettre support là ou bien résistance là nous tout utiliser si besoin prix d'entrée ou bien prix de sortie nous pas mettre rectangle là nous tout mettre de façon directe de préférence pour que nous capable et suivre lui et puis bien ça veut dire qu'on est si prix à franchir ça si on target lié donc nous capable et sorti dans position ou bientôt mon cap metel pour mon capable rentrer et dans en position les cules sous quatre là donc pour mettre li c'est juste soit li dans menu mal chercher li cliquer sous li ou bien m'ti ajouter dans favori li disponible ici là et puis juste cliquer sous li mon cap ajouter le sous quatre là à l'aise et puis changement de couleur li mon cap choisir changer couleur ça qui monte par défaut mettre le jaune on cap changer épaisseur li m'ka fèl pipiti tout fin pour m'capable identifier ça m besoin et sous quatre là et puis si m besoin retirer juste cliquer sous li m'ka fè et delete avec écran sous clavier et puis la retirer pour moi sous quatre là et sans problème donc ça c'est des outils que nous pas le besoin utiliser avec notre graphique de PIA pour nous placer des références ou bien pour nous capable définir en tendance tant que si nous besoin de définir en tendance nous capable utiliser un trend line côté que nous recouper ensemble prix qui pi bas par exemple donc pour ça si notre chat de 5 minutes nous ca dit avec information ça pratiquement nous capable dit l'en garder ensemble prix qui pi ba yo nous relier yo ensemble tout point sur toucher nous ka dit dans 5 minutes ça matic a primatic a descendre parce que trend line là ou bien prix ligne de tendance là li dim pri a descendre donc nous ka utiliser li à l'aise si nous le mettez en ligne parallèle tout en guise de trend line là nous ta capable mettre le tout pour exprimer même information. Donc, nous avons retiré
c'est nous que pratiquement ça qu'a fait c'est dit prix dans 5 dernières minutes là primatique li suivent une pente descendant. Ce qui veut dire tout ou ça qui balle des positions. Si on prend que dans 5 minutes des positions pour câble entrer. Probablement sous dans 1 minute pour capable gagner message là aussi clair parce que ou capable plus à rentrer sortir dans chaque grain bougie ou rentrer ou sortir mais dans n'importe intervalle là mettez là ou capable garder ou pour gagner un prix qui a descend par rapport à time frame 5 minutes ou bien 15 minutes que vous analyser et chat là. Et puis pour retirer ligne parallèle ça qui botons de pria ou ka fait un bas là, c'est juste cliquer sur lui et puis effacer lui pour capable et retirer lui. Ça yo utilité c'est peut-être que ou gain des repères ou gain c'est peut-être ou gain des repères clairs sur chat là, l'on vient garder l'encore ou li croiser côté tes besoin par exemple pour toi chercher ya, et puis pour capable prendre décision de façon extrêmement et rapide. Donc qui dit son pas utile pas attendant nous t'entendez? Oui, entendez oui. Moi entendez moi. Nous t'entendez. OK, merci. Va bien parce OK. Donc dans cas ça l'autre élément yo nous capable toujours garder yo et les n'a fait et comme des capable dit et fonction yo même mais côté pour nous joindre yo yo nan barre d'outils yo. Si par exemple besoin qu'on ait m'a tracé pas qu'on besoin dans Fibonacci n'a tracé nous quand on entend parler de Fibonacci pour rentrer pour sortir même pas vraiment utiliser indicateur ça yo par impulsion mais nous capable qui j'aime qu'à placer li n'a regardé les nouvelles listes ça n'a pas Fibonacci Fibonacci plus pain sur Fibonacci pitchfork paquet bel terme fancy que nous cap utiliser pour trade nous donc yo disponible nan et barre d'outils et trading joie et que nous cap ajouter yo au besoin dans liste menu qui tout préparé pour nous les que nous besoin utiliser dans le futur et même j'en tout pour nous capable retirer li déplacer li j'en anglais pour nous capable et pour nous capable soit pas faire 4 mois problème nous retirer li ou bien parce que ça comme dit sur indicateur là prendre décision sous trade là pour capable mettre li donc reste là c'est me comme déjà dit ça c'est propre exploration nous par rapport à ça nous besoin pour nous connaître qui est n'a utilisé dans ça affaire et chaque faire yon travail particulier. Donc soit essayer marquer tendance variation pria chaque gain élément que vous avez bon ça arrêté en bleu nous cap changer li rouge pour le pria apparent sous et sous chat là. OK, donc tout ça c'est des outils qui à la disposition yo juste is vraiment is facile pour capable et utiliser et nous cap continuer explorer nous j'ai monté nous créer compte là sous ça li gratuit nous gain version mobile là parce que m'utilise le tout moi sur Apple Store presque sûr si sur Apple Store li table sur Samsung sur Android donc nous cap utiliser version ça tout. L'autre élément qui gagne dans ça encore qui est extrêmement important c'est ou capable programmer li pas bon en pile par exemple m'ka gagne un prix m'attend pour rentrer là-dedans même pas des ordinateurs qu'on y a là m'ka dit trading view vos messages moi il dit créer une alerte il dit ajouter une alerte pour moi les matiques atteignent 2.50 ou bien non nous ka qui plus pratique m'ka dit besoin acheter matique à 2.30. OK, comme dit que matik trois chaînes pas prendre connait après la 2.30. Donc on a dit et trading view créons alerte pour moi. OK, pour les que matik atteint $2.3 pour qu'a faire connait. Automatiquement alerte la créer. Les matiques atteignent puis ça,
la vraie message moi sous email moi pour dire que Matic atteint point ça même connaît qui ça en fait si m'a acheté le comme prévu ou pas. Donc qui sur avantage qui est intéressant et en cours son limiteur de mettre non exchange pour me capable rentrer et me capable rentrer directement. Donc liban nous on paquet flexibilité et un pilier de pratiquement et moi ça qui passe à bouton setting là normalement l'été il y en bas ça il voit dans l'air monsieur fait update là dedans ouais l'en cliquer en l'air settings dans là nous joindre ça que me t'a cherché pas du initialement avec le bouton setting. Bon, en tout cas, j'ai mis un petit peu pour d'autres trucs qui est intéressant. Donc, effectivement, si nous ne pouvons pas cliquer sur ça, le bouton setting, ça, il y a des informations sur le symbole. Si nous avons besoin de paramétrer, changer de couleur, gens que nous avons besoin et besoin. Donc, en gros, et nous avons ça, que nous avons dit sur TradingView. Les grands aspects que nous avons gardé ensemble avec lui, mais l'idée de base, c'est ça. Nous sommes capables de chercher un token sous lui, token que nous avons besoin, nous disons, n'a pas tué de là ou bien n'a pas analysé. Ok? Nous sommes capables de paramétrer couleur 4 là. Je dis couleur 4 là, couleur bougie. Nous sommes capables d'ajouter, nous sommes capables de définir dans qui time frame, naviguer dans le time frame ou bien dans l'intervalle de temps à un lot, de 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, 1 heure de temps, en journée, dépendant de l'analyse que nous faisons pour nous rentrer en position. Et ensuite, nous sommes capables d'ajouter des indicateurs nécessaires pour guider trade nous, relative sur l'investissement. Relative strength index si nous voulons. Nous avons ajouté MACD. Nous avons ajouté MACD. Et puis nous avons capable de paramétrer, changer la couleur. Si vous avez besoin de changer la couleur, si vous avez besoin de changer la pêcheur, nous avons fait tout ça de RSI, de MACD. Nous avons ajouté Bollinger Benoît. Jean que ça a été fait, tout là. Donc, automatiquement, nous avons placé un indicateur qui c'est déjà un objectif que nous avons besoin d'atteindre pour assurer. Ensuite, nous avons aller dans la barre de menu, sinon que nous avons besoin de tracer sous et 4 là. C'est que si nous avons besoin de tracer en ligne horizontale, c'est-à-dire si nous avons besoin de marquer un prix de référence, nous avons de tracer li. Nous avons de changer couleur si nous besoin, nous avons changé épaisseur si nous besoin. Nous avons tracé tout en ligne de tendance de prix pour nous capable garder dans quel sens token n'a pas allé dans l'intervalle de temps dans son outlier. Donc nous avons ajouté tout élément ça au notre chat. Nous avons marqué, bon, ça soit et support avec résistance sous un cap qui j'en sa fait li encore c'est des éléments que m'te besoin que nous couvrir à soya pour nous capable et comprendre j'en pour naviguer sous et trading view avec quelques aisances. Donc on passe ça ensuite masquer ajouter les indicateurs what next. OK. Ça, c'est ensemble les liens de référence que nous avons utilisé dans le training. Ça. Donc, la première photo, c'est des photos QCoin que nous avons by nous. Nous avons Future et Binance, Abode. Bon, tout élément ça que nous avons utilisé pour le training. Je pense que là, nous ouvrons la question que nous avons souffert longtemps. Et on a les connaissances à la question.